Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map Race Color Switch. Le code sera en description, en commentaire épinglé. Donc le fait c'est que si vous vous connectez tous les jours sur cette map, on débloquera l'XP en mode créatif sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs genre 5 à 10, 15 niveaux par glitch. Donc voilà, merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map et merci à vous, voilà tout simplement. Le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors pour le glitch de cette vidéo, le code c'est 36112125172. Voilà, vous acceptez, vous lancez la map, vous lancez la map en privé bien entendu. Ensuite vous pouvez, pendant que la map se charge, aller dans la boutique de Fortnite, rentrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne, donc je vous en remercie énormément. Par la même occasion vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous. Alors là, on va attendre que la map se charge. Quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur Options, vous allez dans le menu Lancer le jeu. Et là, je vais vous présenter plus ou moins 6 glitches qui vont vous rapporter un petit peu d'XP chacun. Donc c'est parti. Alors je commence par le plus gros glitch. Ah ben, il faut attendre 10 secondes, donc on va attendre. Ok, donc je vais vous présenter le plus gros glitch directement. Donc le premier truc que vous faites, c'est que vous tapez sur le mot clear. On va prendre le grappin parce que ça va nous servir par après. Ensuite vous allez vers le bloc qui est juste au fond là-bas et vous allez construire des plats pour aller jusque là-bas, comme je vais le faire tout de suite. Ok, donc quand vous arrivez près du bloc, vous pouvez vous laisser tomber par terre. Et là, regardez juste ici, sur la ligne, là, la rayure en bas, il y a un petit bouton, vous interagissez avec. Et ça va vous rapporter de l'XP. Donc là, ok, donc on voit pas les XP tout de suite, donc on va laisser le temps que ça se charge. Par la même occasion, vous allez déjà vous préparer pour le deuxième glitch. Donc vous allez par là. Regardez, là, je gagne 1300. Vous allez voir combien d'XP ça va faire au total. Donc moi ce que je vous conseille c'est de directement vous diriger vers le deuxième glitch. Donc c'est toujours près du bloc. Sauf que là cette fois-ci ce sera au fond du bloc. Donc vous laissez tomber ici. Vous avancez jusqu'au fond. Voilà, jusqu'ici. Regardez en dessous, au-dessus il y a un petit pied. Vous allez pouvoir regarder là, j'ai gagné 21 000 XP avec le premier glitch. Donc regardez ici le petit pied. Vous allez pouvoir activer un bouton. Bah, il est où? Ah, il est où? On va mettre une rampe parce que j'ai du mal à le voir. Je sais pas pourquoi. Ok, on va mettre une autre rampe alors. Non, ça va pas le faire ça. On va mettre un sol peut-être. Voilà, il est ici. Donc vous appuyez dessus et là ça va vous donner des XP aussi. Alors 1005, 3000, 4005, 6000, voilà 6000 XP. Alors ensuite, le troisième glitch, c'est au-dessus du spawn. Donc vous allez construire au-dessus du spawn. Donc là on est déjà à 31 000 XP, très rapidement et très facilement. Alors vous sautez sur le spawn, voilà, juste ici. Là vous interagissez avec le bouton Secret XP, donc regardez où est-ce qu'il est, plus ou moins. Hop, vous interagissez avec. Et là aussi ça va vous donner des XP, donc 1006, 2004, 3002, 4100, 4009, 5006,
6005. Voilà, ça m'a donné 6005 XP. Alors ensuite, derrière le mot clear, là, juste ici, vous allez construire 3 sols. 1, 2, 3. Plus un sol sur le côté, juste ici. Et là, vous allez faire une petite danse. Et là, ça va vous donner des XP aussi. Donc, 4006 XP. Donc, ça fait plus ou moins 5000 XP. Ok. Donc, le prochain, c'est vers les montagnes qui sont là-bas. Donc, j'aimerais bien juste tester un truc. Je crois qu'il y en a un autre. Je vais tester un truc. Là, près du jump, près du tremplin ici, vous sautez dessus, vous avancez. Et normalement, il y a un nounours. Ouais, exact. Ok. Il y a un petit nounours ici. Vous interagissez avec le nounours. Normalement, ça va vous donner des XP aussi. Ok, 800, 1007, 2006, 3004, 3500. Ok. Donc ensuite, le prochain glitch se trouve près des deux montagnes là-bas. Donc là, on va construire jusque là-bas. Ok, donc on interagit avec le pain d'épices qui est juste ici. Et là aussi, ça va vous donner des XP, donc 1008, 2007, 3006, 3600. Et le dernier glitch se trouve sur la colline tout là-bas. Donc c'est la colline à côté de l'aéronef, du dirigeable. Donc on va construire jusque là-bas. Et ce sera le dernier glitch de cette vidéo. Donc ça fait un total, en vrai j'aurais pris presque tout un niveau complet, j'aurais pris plus ou moins 50 000 XP. Alors il faut savoir qu'il y a une technique secrète pour gagner 5 fois plus d'XP, donc ça pourrait vous rapporter, rien que ce glitch pourrait vous rapporter 250 000 XP. Donc c'est plus ou moins 4 niveaux. Donc si vous ne connaissez pas la technique secrète, ben, je la mettrai en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Ça pourrait vous rapporter plus d'XP. Enfin, ça va vous rapporter plus d'XP. Après, je sais pas si ça fonctionne sur toutes les consoles. Je sais que sur Play, ça fonctionne. Après, sur Xbox, je sais pas. Sur PC, je sais pas. Sur Switch et tout ça, les autres plateformes, je sais pas. Moi, je suis un joueur Play, donc je sais pas si la technique secrète fonctionne sur les autres consoles. Donc là, regardez, quand vous arrivez en haut de la colline, il y a un petit buisson. Vous interagissez avec le buisson. Hop. Et là, ça va vous donner des XP en plus. Donc 1000, 2000, 3000... 4200 XP. Donc voilà, si vous utilisez la technique secrète, bah vous gagnerez plus ou moins 3-4 niveaux facilement, très rapidement sur cette map de glitch. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapleMec et ciao. Peace. I'm me, bruh.